Là, Warframe Banshee, le détail de ses compétences, l'influence des modes sur ses pouvoirs, ainsi que d'autres détails, c'est à découvrir dans cette vidéo et c'est parti! Une Warframe Review concernant Banshee. Alors, dans un premier temps, on va voir une description générale de la Warframe en termes de statistiques, les polarités et comment on l'obtient. Ensuite, on verra le détail des compétences, notamment les petites choses à savoir, les modes d'augmentation aussi en détail. Une petite récap des influences pour connaître en gros les principales voies d'influence, des voies d'évolution aussi de la Warframe Banshee. Un petit point sur la canalisation si vous souhaitez crafter un arcane, lesquels sont plus utiles sur Banshee. Et puis 3 builds, un build débutant qui est constitué de modes que l'on a dès le départ du jeu sur les premières planètes, un build expert avec tous les modes et un build à thème pour un rôle en particulier. Je vais vous présenter donc ce build là à thème. Si vous souhaitez aller un petit peu plus vite dans cette vidéo, il suffit d'aller dans la description. Vous trouverez le sommaire et le sommaire vous permettra d'aller voilà, directement sur la partie build exactement là où il faut. Voilà. On va commencer par la description générale. Banshee est une Warframe qui possède 100 de vitalité de base, tout à fait dans la moyenne. 150 d'énergie, c'est plus haut que la moyenne, ça possède un bon pool d'énergie, une Banshee. Une armure de 15, c'est très faible, ça fait partie des Warframes les plus faibles en armure. Une capacité de bouclier de 100, qui est tout à fait aussi dans la moyenne, une vitesse de déplacement de 1,10, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'est une Warframe qui est vraiment, vraiment très orientée, n'a pas de résistance, donc faudra vraiment la tenir à l'écart des feux ennemis. Banshee arrive avec deux polarités en V, ce qui est utile pour tout ce qui est mode de dégâts et mode de durée. Donc l'un comme l'autre est quand même assez intéressant. Une polarité d'aura en V, ce qui est utile pour charge d'acier. Ça peut être intéressant dans un sens, parce que charge d'acier, c'est l'aura qui donne le plus d'énergie. Et certains préféreront peut-être siphon d'énergie ou projection corrosive, donc une polarité entrée. Donc c'est comme vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Charge d'acier possède quand même une certaine utilité sur certains de ses pouvoirs, notamment le silence que l'on va voir après. Comment obtenir Banshee? Il suffit de faire les recherches dans le dojo et vous pourrez dupliquer les schémas des différentes parties et crafter l'ensemble avec le schéma d'ensemble. La compétence numéro 1, explosion sonique. Qu'est-ce que c'est? C'est 50 de dégâts d'impact sur une distance de 15 mètres avec un angle de 180 degrés. Alors pourquoi on parle de distance? Pourquoi on parle d'angle? Ben, tout simplement parce que c'est une vague de son en fait qui se déplace à une certaine vitesse relativement rapidement, mais il y a une certaine notion de propagation sur 15 mètres et c'est uniquement les mobs qui sont en face de vous, donc c'est 15 mètres mais en face. Ça renverse les ennemis en plus de faire des dégâts d'impact. C'est bloqué par les obstacles, les ennemis qui seront planqués derrière bien sûr, derrière des caisses etc. ne subiront pas la vague, l'explosion sonique en question. Donc ça possède, comme j'ai dit, un certain temps de propagation relativement rapide, mais ce n'est pas instant. Mais c'est surtout utilisable en mouvement. Et ça c'est très intéressant parce que bon nombre de compétences ne sont pas, par exemple, utilisables en l'air ou pendant une glissade, etc. Il faut être vraiment immobile. Et bien cette compétence-là vous permettra de garder une certaine dynamique avec cette Warframe. Pour sauter, envoyer un cast, etc. et aller à l'autre bout de la salle si vous sautez. Il y a un dé de recast qui est notamment présent, il pèse un petit peu, c'est un chouïa en dessous de 1 seconde. C'est-à-dire qu'après avoir lancé votre explosion sonique, il va falloir attendre quasiment 1 seconde avant de pouvoir en relancer une. C'est une compétence qui est affectée par la puissance et par la portée. Vous mettez plus de puissance, vous faites plus de dégâts. Et la portée, bien sûr, vous augmentez la portée des 15 mètres. Bon, la puissance, voilà, un petit peu moins parce que 50 de dégâts de base d'impact, c'est pas terrible quand même. Le mode d'augmentation fracture sonique permet d'avoir 70% de réduction d'armure et c'est cumulable via des castes successifs. On verra après, comme quoi c'est un petit peu spécial. Donc on voit en image en fait, alors,
C'est en montant en fait la puissance qu'on peut augmenter le pourcentage jusqu'à 100%. Et là, avec un seul cast, en fait, je supprime en totalité l'armure de ce Grenir level 100. Gardien Eximus, qui devait avoir vraiment beaucoup de, vraiment beaucoup d'armure au niveau 100. Ça dure pendant 8 secondes l'effet de réduction d'armure, qui est similaire à un effet corrosif, hein, vu qu'on a aussi d'ailleurs l'effet visuel du corrosif. Et le maximum est atteignable lorsque vous rajoutez 143% en puissance, c'est-à-dire plus qu'un intensifié. Mais pas trop. Si vous en mettez trop, ça ne servira à rien. Vous enlèverez la totalité de l'armure, et pas forcément plus. Alors, les castes successifs, en fait, ça fonctionne, mais avec un certain bonus, parce que vous allez faire 70% de réduction sur le premier cast. Le deuxième cast, vous allez réduire de 70% ce que vous avez déjà réduit de 70%. Ça veut dire qu'en deux castes, vous n'en avez pas totalement fini. Il va falloir que vous castiez un certain nombre de fois, 6, 7, 8 fois, avant d'espérer en fait retirer la totalité de l'armure. Donc, 143% de puissance, c'est pas très difficile à atteindre, donc je vous conseille tout de même d'arriver à ce cap là. Et surtout, vous pouvez utiliser des modes corrompus pas maxés en fait. Voilà, 143% de puissance, c'est facilement atteignable. C'est affecté comme la compétence initiale par la puissance et par la durée. Si vous mettez plus de durée, l'effet de la fracture sonique sera plus long. Et si vous augmentez la puissance, eh bien vous allez monter jusqu'à 100% de réduction d'armure. La compétence numéro 2, le sonar. Alors ça marque un point faible sur l'ennemi, c'est pas réellement le vrai point faible, parce qu'il existe des points faibles que l'on connaît, des points faibles dans la tête ou sur les certains justement moi, c'est un petit peu derrière. Donc c'est pas exactement le vrai point faible, mais ça peut arriver sur le point faible. Ça on verra après un petit peu cette nuance là. Viser la marque en question, donc là c'est selon la couleur de votre énergie, hein. Faut choisir la bonne couleur. Choisissez une couleur un petit peu claire tout de même si vous souhaitez bien voir. Visez cette marque là, ça inflige 500% des dégâts de votre arme, ni plus ni moins. Ça a une portée de 35 mètres et ça dure 30 secondes. Alors en plus de faire ce marquage là, ça le marque sur votre minimap. Ça je ne l'ai pas forcément mis. Ça affiche les ennemis sur la minimap sur toute la portée du casque. Lorsque vous recastez, ça permet d'ajouter d'autres zones. Et ces zones-là peuvent se chevaucher. Et là, vous avez un multiplicateur beaucoup plus fort. Et c'est là l'intérêt en fait de le caster plusieurs fois. Même si c'est une compétence quand même qui coûte 50 d'énergie. Voilà, ça a un certain intérêt de recaster plusieurs fois. Si, et encore, ce multiplicateur-là se retrouve encore plus amplifié si ça chevauche un vrai point faible. Par exemple, sur un Grenir, si vous avez plusieurs zones qui sont situés au niveau de la tête, ben vous aurez le multiplicateur de la première marque, le multiplicateur de la deuxième marque, plus le multiplicateur du headshot. Et encore plus si vous faites un critique, vu que vous aurez le multiplicateur du critique et le multiplicateur critique du headshot. Donc vous l'aurez vite compris, cette compétence-là est vraiment unique, et surtout dans son sens, que l'on peut atteindre 1420% de multiplicateur max. Il n'y a vraiment que très peu de compétences sur Warframe qui permettent de multiplier par 14 les dégâts, tout de même 14. Et ça, bien sûr, c'est cumulable avec, comme je vous ai dit, les multiplicateurs de tir à la tête. Ça a un délai de casse de 0,8 secondes, mais il faut tenir d'un point super important. Si vous souhaitez faire des castes successifs, c'est-à-dire lancer plusieurs fois la compétence, c'est que ça prend 2,4 secondes de propagation en fait. 2,4 secondes sur lesquelles, eh bien, les premiers ennemis vont être touchés, certes, mais le dernier ennemi sera touché pendant 2,4 secondes. Si vous recastez avant, c'est comme si la propagation se serait arrêtée net en fait. Donc il faut attendre. Il faut attendre 2,4 secondes. Bon, vous comptez à peu près 4 secondes sur votre timer et vous pourrez après relancer votre sonar sans problème. Mais ça, c'est un point très important. Pour ceux qui spamment, voilà, qui spamment limite toutes les secondes, parce qu'il y a un délai de casse mais qui est que de 0,8 secondes, si vous spammez, ça ne sert à rien. C'est affecté par la puissance. Plus vous rajouterez de la puissance, au plus votre multiplicateur sera élevé. La durée, vous augmentez la durée 30 secondes, vous pouvez atteindre plus d'une minute avec. Et la portée, bien sûr, 35 mètres, vous pourrez l'augmenter sans problème avec une allonge. Le super étendu est un petit peu problématique, vu que le super étendu, la
contrepartie de ce mode là, c'est que ça vous enlève de la puissance. Donc un petit peu plus délicat à placer un super étendu. Le mode résonance pour le sonar, ça permet tout simplement de relancer un sonar à partir d'un ennemi qui est tué sur son point faible. Il faut tuer sur la marque l'ennemi pour voir un autre sonar qui sera déclenché. Donc, qui dit second sonar dit un ennemi, comme on le voit à l'écran, avec plusieurs zones sur le corps. Parfois, il y en a plusieurs. Alors, c'est un sonar qui est de la durée restante de la compétence, c'est-à-dire que ça ne rajoute pas de la durée. C'est comme si vous l'auriez recasté gratuitement et à partir du point de l'ennemi en fait. La limitation du nombre de castes provoqués, c'est individuel au tueur. C'est-à-dire que si vous avez un allié qui tue un ennemi sur son point faible, avec le mode résonance qui est actif, eh bien ça va déclencher un sonar. Mais les fameux 2, et quelques secondes de temps limite entre deux castes, eh bien ça sera individuel, c'est-à-dire que ça ne comptera pas pour vous. Pas. Si vous faites 2 kills en même temps, quasiment, ben vous allez faire réellement proc 2 sonars en même temps. Et si vous êtes 4 à faire 4 kills en même temps sur le point faible, eh bien vous allez provoquer donc 4 sonars en simultané. C'est affecté par la durée. Alors, la durée c'est intéressant parce que si vous avez un sonar qui dure que 10 secondes, vous n'allez pas forcément provoquer, enfin bénéficier tout simplement au maximum de l'effet de ce mode d'augmente. Et donc voilà. Et donc avec le sonar, on arrive à des gros dégâts. Là de mémoire, je crois qu'on avait vu plus de 600 000, des 877 403 qu'on a vu à l'écran. Sur un Sniptron qui n'est même pas catalysé d'ailleurs. Modé juste en critique et un petit peu en dégâts. Mais pour avoir quand même autant de dégâts, voilà. C'est vraiment très satisfaisant comme compétence. Et le fait d'avoir plusieurs zones, voilà, ça permet d'avoir vraiment un bonus qui perdure dans le temps quand même. La compétence silence, c'est une aura assourdissante, c'est un petit peu spécial à comprendre. C'est une portée de 20 mètres, une durée de 25 secondes. Voilà pour la base. Maintenant, ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'il y a une espèce de court étourdissement en fait dès le début du silence. Il n'est pas forcément très long. Ça rend l'ennemi sourd, ça veut dire que grosso modo, si vous tirez avec une arme qui fait beaucoup de bruit, eh bien, vous n'allez pas alerter en fait les ennemis qui sont à portée, ni plus ni moins. L'alerte reste quand même possible si vous vous mettez devant l'ennemi, bien sûr. L'ennemi n'est pas aveugle en fait. Il reste tout le temps. Mais voilà, si vous tirez, si vous avez une Soma par exemple, vous pourrez très bien caster votre silence et tuer 3 mobs sans qu'il y ait forcément d'alerte. Les mobs qui sont atteints le sont toujours même s'ils passent hors portée. Ça veut dire que en gros, imaginez que vous avez casté votre silence, ça affecte un ennemi qui est un petit peu loin, qui est on va dire à 18 mètres, parce que la portée initiale est de 20 mètres. Si vous bougez, que vous passez hors portée, eh bien cet ennemi-là reste tout de même sourd pendant la durée en fait. Et de la même façon d'ailleurs, les ennemis qui sont déjà alertés le restent. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont sourds qu'ils ont oublié en fait qu'ils sont alertés, voilà, tout simplement. C'est affecté par la portée et par la durée, tout simplement. Plus de portée, vous pouvez monter jusqu'à 40-45 mètres, et plus de durée, vous allez faire durer plus longtemps le silence. Alors il faut savoir que c'est une compétence que l'on ne peut pas recaster, donc il faut faire attention sur ce genre de compétence que l'on ne peut pas recaster si vous mettez beaucoup de durée. Vous pouvez rester une minute sans pouvoir recaster la compétence si vous mettez un maximum de durée. Idem pour la portée. La portée c'est un petit peu à double tranchant parce que si vous mettez trop de portée, eh bien imaginons qu'il y a un mob on va dire à 50 mètres, il va être un petit peu étourdi pendant le petit début et voilà, vous n'aurez pas eu le luxe en fait d'avoir bénéficié en fait de l'étourdissement parce que cet étourdissement là il rend ouvert en finisher en fait. Vous pouvez aller devant un ennemi lorsqu'il est étourdi et vous faites un finisher, donc ça veut dire beaucoup de dégâts. Donc, on a tout intérêt en fait de se limiter tant sur la durée, tant sur la portée. La portée, on peut le laisser à 20 mètres, ça, il n'y a pas de souci, mais la durée, on a quand même un certain intérêt
à le baisser, notamment avec expertise éphémère, qui permet d'ailleurs en plus de l'économie d'énergie, parce que cette compétence, elle coûte quand même 75 énergie. Le mode d'augmentation silence sauvage, si j'ai bien traduit, parce que là j'ai même pas regardé le mode en français, c'est 300% de dégâts de type finisher supplémentaires, autant les finishers qui sont infligés par les armes de mêlée que par les pouvoirs d'une Warframe. Donc, on va voir qu'il y a une synergie assez forte avec Ashe, vu que Ashe, son ulti, ce sont des dégâts de type finisher, et si vous le mettez avec une Banshee, et bien là vous allez complètement exploser ces dégâts. Sachant que dans notre exemple là, j'ai utilisé des Venka qui avaient 132 de dégâts de base. Et avec cette compétence là, avec les finishers, on arrive à 26 300. Donc ça fait 200, on était à 199,66, quelque chose comme ça. Donc grosso modo, 200% de multiplicateur supplémentaire. C'est vraiment énorme. C'est affecté par la puissance, ni plus ni moins. Plus vous allez rajouter de puissance, plus vous allez augmenter en fait ce multiplicateur là, sachant qu'il est déjà de 300%. Si vous mettez 200% de puissance par exemple, vous allez monter donc à 600% de dégâts supplémentaires avec les finishers. Vous multipliez par 6 les dégâts des finishers. C'est vraiment intéressant, c'est un mode d'augmentation qui est plutôt sympathique. Donc voilà, il reste qu'à le tester, j'ai envie de dire. La compétence ultime, secousse Sony, qui coûte que 25 d'énergie. Pourquoi que 25 d'énergie? Alors tout d'abord, ce sont 200 de dégâts de type explosif qui ont une portée de 20 mètres et qui est accompagné d'un drain d'énergie de 12 par seconde. Donc vous aurez compris que c'est une capacité qui est notamment sur la durée. Donc c'est en deux temps. Le premier temps, c'est une première instance de dégâts, donc de 200 dégâts explosifs avec la portée, etc. dès lors que vous Banshee met ses mains au sol, contact au sol. Et le deuxième temps, ce sont les dégâts qui sont continus avec le drain d'énergie. C'est une chance faible de statut, mais le fait d'utiliser son ulti, en fait, ça bouscule en fait en continu. Ça fait qu'en gros, tous les mobs qui sont en portée, eh bien, ne feront rien en fait. Bon, des fois, ils y ont tiré s'ils ont un petit peu juste une balle, mais grosso modo, tout ce qui est à portée sera totalement sous contrôle. C'est une excellente compétence de contrôle de masse. Les dégâts diminuent avec la distance, mais ils sont augmentés par les multiplicateurs justement qui sont situés sur les points faibles. Si il existe des ennemis en fait, si cet ennemi là est touché sur un multiplicateur x2 ou x3, eh bien la compétence en sera d'autant plus augmentée. Ce sont 200 dégâts de type explosif, mais bon, voilà. C'est surtout une compétence de contrôle avant toute chose, et en second lieu, c'est une compétence de dégâts. C'est affecté par la portée, l'efficacité et la puissance. Voilà, plus de portée, vous y retouchez plus de mobs. L'efficacité affecte le drain d'énergie, bien entendu, en plus du coût initial, mais c'est surtout utile pour le drain d'énergie. Et puis la puissance, bon, on peut augmenter les dégâts, les 200 de dégâts explosifs, vous pouvez les augmenter facilement au-delà des 400 de dégâts. Un petit récap des influences. On avait vu que la première compétence c'était de la puissance, de la portée. La deuxième compétence, de la puissance, de la durée et de la portée. Le silence c'était de la durée, de la portée. Et la compétence ultime c'est de la puissance, de l'économie et de la portée. Vous l'aurez compris, la portée est super importante sur Banshee. Donc voilà, vous avez différents choix, puissance, durée, portée, un petit peu d'économie peut-être pour la compétence ultime, mais voilà, ce sont grosso modo les grands axes. Après, on sait très bien que côté portée, voilà, le super étendu ne va pas très bien avec avec intensifié, enfin le super étendu nerf la puissance, donc si vous placez un super étendu, vous ne pourrez pas arriver jusqu'au maximum. Donc voilà, c'est délicat, j'ai envie de dire, c'est délicat à modder. En sachant qu'il y a des influences qui sont un petit peu... voilà, on ne peut pas placer un mode corrompu sans que la contrepartie ait forcément un poids non négligeable. Côté arcanisation, on a l'Arcane Strike qui est pas mal. Je vous l'avais déjà montré sur une précédente vidéo parce que c'est une compétence qui est super utile lorsque vous faites des dégâts
répétitif en continu. Donc la compétence ultime dans ce cas-là est très intéressante si vous souhaitez avoir de la vitesse d'attaque de mêlée. Mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur pour Banshee, ça reste l'Arcane Trickery, l'Arcane Tromperie, qui permet d'avoir une invisibilité sur 20 secondes lorsque vous faites un dégât de type Finisher. Donc, si vous la buildez Silence, si vous utilisez souvent le Silence et que vous faites un Finisher, vous aurez 10% de chance de passer invisible pendant 20 secondes. Sachant qu'on a vu que Banshee, c'était 15 d'armure seulement, et avec des statistiques moyennes en vitalité et en bouclier, cette invisibilité là est vraiment la bienvenue, mais vraiment la bienvenue. Voilà, ça permet de donner un petit peu d'air frais à Banshee quand elle est un petit peu entourée. Et c'est quand même 20 secondes quand même, 20 secondes lorsque vous maximisez cet arcane. Le build débutant est composé d'une charge d'acier d'une vitalité montée à 5 sur 10, une redirection montée à 5 sur 10. Je vous conseille franchement, si vous êtes débutant, de ne pas monter tout de suite les modes au rang 10. Les rangs 6, 7, 8, 9 et surtout pour arriver au 10e vous coûteront énormément de cœur. Et il est plus rentable de monter d'autres modes comme intensifié, rationalisation, flux ou continuité qui au départ sont quand même vraiment la base des choses et même des joueurs vétérans rejouent même si un mode continue accru avec un mode continuité, c'est tout à fait simple. Donc voilà, vitalité redirection monter moitié du rang maximal, donc 5. Intensifier, continuité, déviation rapide, toujours pour avoir des points de vie et une régénération de shield plus rapide. Ça en est d'autant plus nécessaire que Banshee est relativement faible. Une allonge, une rationalisation et un flux. Tout ça pour pouvoir caster un petit peu les compétences à bonne portée et souvent. Le build expert est composé d'une charge d'acier. Donc voilà, si vous voulez changer cette aura, c'est à votre convenance, bien entendu. Une vitalité, une rationalisation accompagnée d'un flux accru. C'est voilà, pour caster beaucoup plus souvent, hein, bien entendu. De la puissance, courage passager intensifié. Donc voilà, on rajoute de la puissance, on a un petit nerf de durée que l'on compense avec continuité accrue. Une allonge. Plus de portée, un super étendu pour encore plus de portée, bien sûr au détriment de la puissance, et une rationalisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce build? Je n'ai même pas mis les points forts et les points faibles, tiens, bizarre. C'est un build qui est relativement équilibré en fait. C'est un build qui est équilibré dans le sens où vous avez de la portée, c'est surtout un build qui est là pour profiter du sonar à pleine portée. Vous allez me dire, le sonar, ouais, il avait un gros pourcentage, pourquoi mettre un super étendu alors que ça nerf la puissance? Eh bien, je pars de base, si vous êtes sur des armes qui font beaucoup de dégâts, ne profitez que, on va dire que là on est à peu près dans les 600 à 700% d'augmentation. On est un petit peu au-dessus des 100%, je crois. Bon, on va dire qu'on est à 500%. 500% quand même pour un multiplicateur, c'est vachement haut quand même. Voilà. Donc inutile de plancher sur quelque chose de trop élevé, sachant que vous pouvez gagner énormément de portée. Et vous savez très bien que sur tout ce qui est défense, survie, vous castez une fois. Si vous arrivez à avoir beaucoup de mobs d'un seul coup, bien vous allez pouvoir davantage vous focus sur utiliser votre arme pour dégommer les mobs plutôt qu'à recaster une deuxième fois le sonar. Après vous pourrez très bien le caster, on va dire, trois fois en espérant d'avoir des zones justement qui se superposent. Mais bon voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est plus axé sur le sonar. Le build à thème, c'est le build fracture. On va voir. Il est composé d'une charge d'acier de main sur ressort sur le slot Exilus. On peut se le permettre. Il y a certes un format. Je pensais un petit peu plus vous présenter des builds sans format, mais bon, voilà. Vitalité, courage passager, continuité, fracture sonique. Donc tout ça pour augmenter juste ce qu'il faut pour réduire totalement l'armure. Rationalisation, flux, allonge et le mode course pour sprinter plus rapidement. Vous aurez compris que la course pour courir plus rapidement, main sur ressort pour récupérer plus vite des renversements,
on planche sur quelque chose un petit peu plus survie quand même. On va pas être trop, voilà, sur le front. Alors, quitte à être renversé une fois, autant se relever très rapidement. Les points forts de ce build à thème, c'est la survivabilité. Voilà. Vous avez main sur ressort, vous avez course, vous avez une vitalité maxée. Bon, c'est un petit peu la base pour moi de mettre une vitalité maxée avant toute chose. La survivabilité est un petit peu plus accrue. Vous ne pourrez pas forcément résister plus si vous mettez je sais pas, une redirection, parce que votre bouclier, une fois qu'il est attaqué, si vous prenez n'importe quel petit dégât, ça va empêcher sa régène en fait. C'est ça que je n'aime absolument pas sur le bouclier, si vous avez trop de capacité. Aucune stat inférieure à 100%. Vous avez un build équilibré, encore une fois, équilibré avec le mode fracture sonique. Ça enlève 100% d'armure, tout simplement. C'est adapté pour les missions longues dans le néant. Peu importe si vous croisez un heavy gunner, enfin, pas trop de face quand même, parce que Banshee risque d'avoir très mal. Si vous croisez un heavy gunner niveau 150, voilà, bah en un coup vous allez totalement zapper toute l'armure. L'armure, c'est le point délicat du néant. Lorsque vous allez dans le néant, le principal problème, si votre arme fait 2 dégâts, 3 dégâts, 4 de dégâts, c'est tout simplement parce que l'ennemi a largement trop d'armure et vous n'avez pas forcément beaucoup de solutions pour justement contrer l'armure. Point faible de ce build-là, c'est que ça n'exploite justement pas tout le potentiel de puissance de Banshee. Banshee a énormément de potentiel si vous augmentez à fond la puissance, et là on reste sur un build équilibré. Donc voilà. Alors, à savoir que on nerf un petit peu la durée, ce qui est intéressant pour le silence notamment. Ce n'est pas forcément axé que sur la compétence numéro 1, même si on a mis l'augmente. Vous pourrez tout à fait utiliser le sonar sans problème. Le silence, qui sera un petit peu étendu mais qui sera un petit peu plus court, donc vous pourrez le recaster un petit peu plus régulièrement. Et comme on a vu sur la capacité du silence, c'est un petit peu conseillé de réduire un petit peu la durée pour pouvoir justement le recast et bénéficier de l'effet justement d'étourdissement un petit peu plus souvent. C'est énergivore. Le gameplay de ce genre de build là, sachant que c'est un build équilibré, vous pouvez utiliser toutes les compétences, mais il va vous falloir quand même pas mal d'énergie pour vraiment bien exploiter tout ça. Sachant qu'on a juste une rationalisation pour baisser les coûts. Voilà pour ce build à thème. On va voir rapidement le gameplay. On est dans le néant, on est sur une T2 capture, on n'est pas sur du très haut niveau. Alors, je considère Banshee comme une Warframe qui se joue davantage en équipe en fait. Faire de la T4 survie en solo avec Banshee, voilà, je considère pas trop Banshee comme une Warframe qui se joue vraiment en solo, quoi qu'il en soit. Donc on a croisé un Vigunner sur la route, je sais pas si vous avez bien vu, mais j'en ai profité pour vraiment complètement lui réduire son armure à zéro. On a beaucoup plus d'intérêt en fait à... J'ai perdu mes mots. À rester un petit peu à couvert, à rester en équipe, justement. Et ici on a utilisé le silence d'ailleurs pour justement se donner un petit peu d'air frais. C'est conseillé, on a une vingtaine de secondes à peu près de silence. Et il faut savoir bien sûr que tous les ennemis qui rentrent à portée du silence sont justement étourdis. Donc voilà concernant le build à thème. C'est un build tout à fait équilibré. Il n'y a pas forcément de thème aussi particulier que j'ai pu faire sur les précédents builds à thème sur d'autres Warframe. Mais c'est un build qui est tout à fait correct et surtout, point super important, ça enlève 100% d'armure sur les mobs Grenier qui posent problème, les Vigunners, les Bombardiers, etc. Il n'y a plus de problème, vous allez faire 100% des dégâts de votre arme sur leur PV directement. On oublie l'armure avec ce build-là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions, à partager votre build sur Banshee aussi. N'hésitez pas en tout cas, les commentaires sont faits pour ça. Et à découvrir les autres vidéos de la playlist. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de très prochaines vidéos. Ciao ciao!